Bon les gars, il devrait avoir l'autre ce soir les coquines. On va voir qui ah, les vicieuses. Allez, est. Allez, vicieuse. Allez, c'est parti. N'oubliez pas le renfort connexion les gars. Ça va vous permettre, je crois que c'est aujourd'hui que ça va vous permettre de vous donner un petit pack tots euh, garantie, si je ne me trompe pas. Et un deuxième si vous avez fait euh, euh, trois matchs et les trois matchs quotidiens aussi. Bah, ça, je suis un peu en retard sur ça. Donc j'aurai qu'un pack si je ne me trompe pas. Choix joueur TOTS hebdomadaire, tu as un petit joueur TOTS où tu auras de la merde dedans, bien entendu. Mais pourquoi pas le faire On ne sait jamais. Tu peux châter. Alors, est-ce qu'il y a Sorlotte ce soir en SBC Il devait il devait avoir Sorlotte. On va voir ça. Je vais aller directement dans amélioration pack pour voir s'ils ont mis des nouveaux packs. Choix 85 comme d'hab. Renfort Liga, ça n'a pas changé. Double 86, ça n'a pas changé. Euh, ouais, C'est les mêmes choses. Il n'y a pas des packs en plus, à part ce fameux pack TOTS que je vous ai montré. Et on va regarder les éléments joueurs, voir s'ils ont mis Sorlotte ou s'il y a une petite surprise et qu'ils ont mis quelqu'un. Euh, même si, bon, j'y crois pas trop. Euh, on va voir. Est-ce qu'ils ont mis Sorlotte Je sais pas. Sorlotte, Sorlotte, Sorlotte. Sorlotte. Ah, il est là. Il y a Sorlotte. Il y a Sorlotte. On va regarder. ouais il y a Sorlotte. Euh, quoi C'est un pack ou un choix 5 de mauvais pieds, Sorlotte bah, C'est un Lewandowski en, en géant. quoi. Après, Sorlotte, les gars, ça ne va pas coûter cher, je pense. Hein. Bah, C'est une équipe à 83, 86. Si vous aimez jouer en profondeur, merci, Louis, pour ton, ton sub. Il a l'accélération, la vitesse, il a une bonne frappe, un bon tir. Après, il n'a pas beaucoup d'agilité, d'équilibre. Si tu le prends, voilà, c'est un monteur qu'il faudra lui mettre sûrement. Il a un bon calme, une bonne réactivité. Ce n'est pas une carte que je déconseille. C'est des cartes, vous savez, un peu à la land. Appel de balle, tout droit, tir, 5 de mauvais pieds. Voilà. Il peut évoluer, il peut monter à 93. Donc il prend un up. Donc il a une carte de porc. C'est un, un style de. Voilà. C'est un style de drogue bas 2.0. Voilà, c'est une carte qui va casser les couilles, qui va faire des appels en profondeur. Il a quoi en playstyle Bon, après, il a le rapide, mais il n'a pas en rapide plus. Il n'a pas le foulé rapide. Et euh, voilà, il a trois playstyles. Et les trois playstyles qu'il a, il, les a en en... est... il a le duel aérien plus. Il a l'infatigable et l'extérieur. Euh, et le reste, il, est... il a des playstyles, mais pas en playstyle plus. Il a la tête puissante. Euh, donc, oui, c'est une carte que je déconseille pas. C'est les cartes pour les joueurs. Euh qui aime bien jouer, les appels de balles, et tout droits, euh, euh, récupérer les balles. Euh euh, de la tête, marquer des buts de la tête en corner. Si vous êtes bon corner et tout, euh, pour le prix, les gars, c'est une carte à faire. Je vous mens pas. Après, ça sert à rien de dire est-ce qu'il est meilleur que lui Est-ce qu'il est meilleur que lui C'est des profils différents. C'est des profils à la Didier Drogba. Pour moi, une game, il sera meilleur que Didier Drogba 94 Golasso. Euh, voilà, c'est des profils un peu à la Drogba, à la Hollande, en plus grand que Drogba, bien entendu, mais des profils de joueurs. Pas les plus fluides, mais ils sont physiques et ils font des appels et ils tirent et ils sont, quatre, ils, sont euh, ils sont exceptionnels en termes de tir. Donc... Euh euh, voilà, c'est la méta un peu centre, etc. Remise, à la, remise de tête et tout. Donc euh, voilà, il coûte 160k par rapport à ce qu'il peut apporter dans une équipe. Euh, je ne peux pas déconseiller cette carte, vraiment. Euh, c'est un profit différent. Il a moins d'accélération que sa vitesse. c'est pas les cartes les plus méta. Mais si tu sais bien t'en jouer avec ces cartes-là, ça peut être très très dangereux pour l'adversaire. Et so 62, alors pourquoi il dit 160, oui 62, ouais, ouais euh, 62. C'est-à-dire, ça, 62. C'est rien. C'est rien. Ouais, Boniface, il a double 4. Lui, il a 4 et 5. Donc, euh... Donc vraiment, euh... ouais. Euh... Vous avez dit, il y a un choix, les gars. Soit joueur héros, soit joueur icône. Choix... Ah ouais, soit joueur tots hebdomadaire, c'est un choix. Gagner les événement tots live, tots plus, et publier les packs entre eux. Ok, d'accord. Je croyais que c'était un pack. Autant pour moi. Bon, les gars, on va voir un peu. Hein. On va voir un peu tout ça. Euh, on va voir un peu tout ça. Je sais pas si vous êtes intéressé par Sorlot. Moi, je trouve qu'il a une carte plutôt sympathique. On va faire le choix joueur Tots hebdomadaire. On espère un paquet du lourd, même si on va dire que c'est un style de récompense fut champion de ce choix joueur Tots hebdomadaire Sauf que tu peux avoir n'importe quel Tots. C'est différent, quoi. Euh, c'est pas comme un, un fut champion. C'est... Euh, il y a la Liga, t'as que la Tots Liga. Vous voyez ce que je veux dire Là, tu gagnes un des trois éléments de Tots Live ou Tots Plus ou Moments publiés dans les packs le 19, entre le 19 avril et le 20 mai. Donc, euh, par rapport au, aux cartes qu'il y a eu entre le 19 avril et le 20 mai. Donc, bon. Euh, donc, voilà, bon, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a, tu vois. Euh, voilà, on va le faire pour le pub. Mais voilà. En tout cas, ouais, sur note. moi, je ne peux pas le déconseiller. C'est une petite vidéo pas très longue. Hein euh, ouais, imagine il y a un bug qui te sort des icônes, ça serait pas mal. Sur ça, je vais, je vais le faire tranquille. Et voilà, en tout cas, vous avez le petit avis sur Sorlotte, les gars, euh, qui est une carte super, super belle. Pour son profil de, de jeu, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'était passion gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.